So we started skating together. I was 10 years old, and I was training with Julien Lalonde, my first dance coach. And I think he knew Zach, but he wasn't training with me there. And I just said, like, I want to do dance. And after a couple years, it took some years, he made a tryout together, and it worked. Oui, donc à chaque entraînement, mon coach Julien Lalonde, qui ne m'enseignait pas dans le temps, venait me voir et disait « J'ai une fille pour toi, va faire un essai, j'ai une fille pour toi, va faire un essai. » Ça durait 6 mois environ de « Viens, j'ai une fille pour toi, va faire un essai. » Et puis au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, ok, let's go, là, on va essayer l'essai. » Et puis ben, ça a quand même bien marché, tu sais, je veux dire… quand on a commencé, tu sais, je m'attendais pas à faire encore quelque chose de compétitif. C'était quand même un peu pour le... Tu sais, c'était juste amusant. Et puis, c'est parti comme ça. Mais on a travaillé, tu sais, toute notre carrière junior pour... Tu sais, c'est sûr que tout le monde travaille pour gagner. Nous, on était vraiment contents de voir qu'on a réussi à gagner les championnats du monde junior. C'était fou, surtout quand on a eu des compétitions où est-ce qu'on était proche du podium, mais qu'on s'est pas tout à fait rendu. Donc, de vraiment pouvoir gagner celle-là. C'est vraiment un beau moment pour nous autres. Ça a bien fini notre carrière junior. I think it all started from last year when we finished like 6th in Nagoya because, you know, we had an injury. Then we came from 2nd to 4th at Junior Worlds, not last year, the year before. So that was like another disappointing moment. And then at the final last year, I missed the podium by 0.03 points or something like this. So it was... it was rough, but after every competition, we still like stood up and we looked at our program and we checked like what could be better and like and everything. So we learned a lot last season, and I think that Junior Worlds is a good like it's a good job message, you know, and we just have to continue. So of course it's very exciting to have such a big event in our like home country. And this is where we train in Montreal, and we live around, so our friends and family are there. So of course we wish we could go. It's just amazing to have it so close. Donc oui, c'est ben qu'est-ce que je peux dire? C'est bien d'avoir les champions du monde chez nous. Si on pourrait faire nos premiers championnats du monde à Montréal. Ça serait très bien. C'est notre maison en fait. C'est là où est-ce que on est né. C'est là où est-ce que tout a commencé. Donc, de faire une compétition et vraiment de revoir toute notre vie derrière tout ça, ça serait vraiment bien.